parler de politique. Invité spécial nous aujourd'hui, hein, c'est M. Nelson Noël, et candidat à la présidence d'Haïti 2022. Sujet que nous pourrons parler sous lui, c'est la refondation morale et l'identité nationale. La refondation morale et l'identité nationale. Et na, comme nous toujours faisons, nous pourrons diviser le sujet aujourd'hui en deux parties. Première partie, nous pourrons parler sur la refondation morale et l'identité nationale. Et deuxième partie, en tout, nous pourrons concentrer nous sur une série de questions qui fait actualité dans la politique là, en Haïti pour nous poser candidat. Et m'a rappelé nous que nous gagnons Edens Débat et qui et souligne en tout et son journaliste de monsieur passé de présentation et moi fier que il y avait nous aujourd'hui en tout pour le caposer et candidat Noël Nelson quelques questions sous actualité ça qui a passé en Haïti et faut me présenter candidat Nelson Noël est né à Port-au-Prince le 17 juin 1978 théologien de formation. Il est un spécialiste de l'organisation communautaire. Grâce à une vision éclairée au niveau de l'initiative et à l'innovation des entreprises, depuis 20 ans, il a été en mesure d'inspirer un grand nombre de personnes au niveau international à participer à des projets durables. Nelson a vécu plus de 12 ans en France. Son amour pour les nations et la diversité culturelle a des portes ouvertes lui a ouvert des portes en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique latine, aux États-Unis et dans le reste du monde. Il s'est fait un nom dans le social comme un philanthrope en créant des ouvertures afin de stimuler les Haïtiens. Après le tremblement de terre en 2010, il a fondé une école à Thomasick d'environ 250 enfants et un projet agricole avec un certain nombre de paysans. Sur demande générale du conseil municipal, il est retourné en Haïti en 2016. Il a travaillé comme consultant, délégué international honoraire à l'hôtel de ville de Thomasick et en tant que directeur du projet de coopération internationale, en particulier un projet triangulaire initié par lui et par ses propres contacts en faveur de la municipalité de Thomasick, y compris la coopération allemande GIZ, la coopération dominicaine MEPID et le ministère de la planification d'Haïti MPCE. Depuis le 14 juin 2018, préoccupé par la véritable destinée du peuple haïtien, il a déclaré en public à Orlando en Floride devant plusieurs centaines de personnes d'être candidat pour les prochaines élections présidentielles 2022 en Haïti. Chers amis auditeurs, auditrices de RadioTambou.com, nous suivons l'émission pour tout le monde présentée par Dr. Wessler de Vezin. Son plaisir pour nous aujourd'hui, hein, pour nous guider avec nous, M. Noël Nelson, candidat à la présidence 2022. Nabdil, bonsoir, directement de la France. Bonsoir, Dr. Wessler, comment allez-vous? Comment nous y est? Nous très et bien. Chers auditeurs, nous saluons tout le monde qui a écouté nous. C'est très bien. Vous entendez l'introduction que je lis de Rouen et qui ça qui manquait? Qui ça qui manquait dans l'introduction? Bon, je pense que vous bien fait. Vous êtes spécialiste. Moi, félicite pour votre travail qu'on fait tout dans la communauté. Ok, c'est très bien. Et actuellement là, ou en France, directement de la France, et nous pourrons parler politique jodian et sujet an, c'est la refondation morale et l'identité nationale. Mais gon slogan que vous mettez sur website ou qui dit ça qui passé. Mais d'habitude nous même haïtiens, les nous dit ça qui passé, nous répond n'a boulé. Ou même slogan pour l'an, ou dit ça qui passé, nous dit n'a construit. Avant nous commencer entrer d'emblée dans le débat, pas notre explication parce que ou dit ça qui passe, ou dit nous pas boulons encore, mais nous avons construit. Parlez-nous de ça. Merci pour la question, ça, parce que, en fait, là nous parlons d'identité nationale, salutation au peuple, en dit long d'identité, des comportements psychologiques et des façons de l'avenir. Par exemple, nous avons boulé, nous avons besoin pour l'indépendance, nous respectons l'acte héroïque
et Dessalines, Christophe, Toussaint-Effet. Mm-hmm. Mais lorsque nous entrons dans le temps panouan, nous fait 200 ans, nous avons prêté même bagarre là, nous avons boulé, nous pensons que nous avons l'autre dimension psychologique sur le futur peuple. Là. Parce que la mort et la vie, ils n'ont pas le pouvoir dans le peuple. Ça veut dire si nous répétons à chaque fois, nous avons boulé, si nous, de génération en génération, c'est ça que vous entendez. Mais les après agir, nous ne pouvons pas agir d'autre façon que bouler. Et c'est qu'après dans le pays, à chaque jour, il y a des manifestations, nous plus brûler que nous. Oui, depuis presque 200 ans actuellement. Ce qui veut dire, et slogan pour l'an, sac passé, n'a pas construit, n'a pas boulé. N'a pas construit. Exactement. Ça veut dire créer une autre psychologie pour le peuple. Ok, ce qui veut dire, pendant toute campagne, et les noms dit, sac passé depuis Noël Nelson, n'a pas dit, n'a pas construit, mais n'a pas N'a dit pas la paix. construit. C'est très bien. Exactement. Ok. Sujet 1, c'est la refondation morale et l'identité nationale. Nous avons défini pour nous deux thèmes ça. On dit refondation morale. On a défini refondation morale pour moi. Après, on a défini l'identité nationale. Si on entend pour un sujet comme ça, par exemple. Déjà, pour une refondation, il faut que tu aies une fondation. Parce que nous ne sommes pas capables de parler de refonder un bagage qui n'a pas existé avant. Maintenant, il y a deux bagages qui sont très importants. C'est là nous parler de nation et identité. Qui ça qu'on identité? Identité, c'est un caractère qui définit qui ça est par nous-mêmes ou qui ça est à travers les autres. Ça, c'est on a parlé de psychologie sociale. Ça, c'est l'identité. Ça veut dire que l'identité, c'est l'existence de soi-même, par soi-même et par les autres. Maintenant, on parle des mots nation. En latin, c'est natio. Ça veut dire naître. Ça veut dire que je ne suis pas capable d'avoir une identité si je ne suis pas naître. Et du fait que je suis né, j'ai une fondation. Maintenant, avec l'histoire, nous sommes capables de nous parler de refondation. Nous avons un pays qui est détruit. Ça veut dire son pays qui a commencé, bâti. Et puis qui vient perdre orientation fondation, qu'on a demandé une refondation. Bon, c'est aujourd'hui, après plus de 215 ans d'indépendance, nous pas capables de dire qu'il n'y a pas un bon bagage qui fait. Nous pas capables de camper comme ça pour nous voir monter sur Haïti, parce que son grande nation, c'est une grande histoire, et chaque génération portait quelque chose et pour Haïti. Mais je dis à la phase que nous y a, après séisme, après 1986, et plus de 30 ans et plus de 9 ans après séisme, je pense que je suis capable de parler de refondation et nation, mais surtout de la refondation morale. Maintenant, lorsqu'on a parlé de la refondation morale, le mot moral même, en professionnel, on peut utiliser le mot éthique. En politique, c'est plus éthique. Mais refondation morale, là, il paraît une dimension plus large qui parlait à nous-mêmes, à identité nous, ça nous veillait, à valeur nous. À tout ingrédient qui fait nous capables de devenir une nation. Par exemple, bref, et pour nous gagner une nation et qui naître, il faut nous parler d'un territoire, il faut nous parler d'un peuple, il faut nous parler d'une langue. Et pas oublier, nous sommes sous l'oppression, chaque tribu ça a été sorti dans une zone différente en Afrique. On a pour nous arriver au continent, pour nous inventer une langue, et puis nous venir prendre l'indépendance, nous, et puis nous conquérir le même territoire ça qui est esclave là-dedans. Et c'est l'Haïti qui fait ça. Ça veut dire qu'à travers ça, il y a une culture qui est développée, il y a des mœurs, bon, et ça fait nous parler de la littérature haïtienne. Ça veut dire que nous existons. Maintenant, il faut que nous retrouvions les points forts qui étaient bâtis, morale, nation, hein, qui pas d'autres, les trois mots, liberté, égalité, fraternité. C'est à travers trois mots sérieux pour nous retrouver l'identité, nous. Et puis, à dimension morale, nous, pour nous capables de devenir encore un peuple qui est uni et autour de nos visions, autour de nos projets. Ok, c'est très bien. Avant nous pour continuer toujours la même question, hein, et n'a pas rappelé aux auditoires là que tout le monde qui t'a remis à live sur Facebook, nous pour aller dans Radio Tambour live dans Facebook et puis n'a pas live dans l'émission. Bon, le ok, je suis content pour définition que au moins sous la refondation morale et l'identité nationale. Et l'on pays actuellement qu'est Haïti côté système là. Et nous avons un problème systémique en Haïti. Et vous parlez de l'identité nationale. Vous pensez que vous-même, en tant que candidat à la présidence avec une idéologie pareille, et vous pensez que vous pouvez rentrer dans un système comme ça pour parler de l'identité nationale?
Parce que pour moi-même, c'est que l'on système qui a toute qualité problème, ça a donné. Et parler de l'identité nationale, je pense que son bagage peut être pour moi-même du superflu. So well en ça. En fait, étant qu'on t'a parlé de l'effet de la lumière, c'est une étape fait optique, mm-hmm. la science optique. Mm-hmm. Et étant qu'on t'a dit moins, et bon, étant qu'on t'a dit plutôt, nous rendre une chambre noire. Ok. Nous t'a dit chambre noire, là, on représente le système. Mm-hmm. Parce que y a un système qui pas productif au niveau social et économique. Nous, dans l'Antiquité, on a l'obscurantisme. Ça veut dire que c'est un système d'obscurantisme. Mm-hmm. Maintenant, on tape un petit étincelle de lumière, un petit baleine, et puis on tape un point de lumière. Mm-hmm. Et bien, en Haïti, on a un petit bête, l'elle fait noir dans la nuit ou elle, quelque chose à côté, ou un petit bête là qui a volé. Ça veut dire que je pense que nous ne sommes pas capables de reculer parce que nous sommes en noir. Ça veut dire que l'étincelle de lumière intellectuelle, l'étincelle de lumière politique, yo, supposé continuer à limer, même si son baleine de vision qu'a limer dans le pays, il y a espoir. Je pense que nous pas capables et pessimistes, mais même moins très optimistes, parce que tout le monde, tout système qui est pessimiste, il n'y a pas duré. Okay. C'est l'optimiste qui fait la vie. Et ça fait moins optimiste pour Haïti. Je pense que oui, il y a des pays qui étaient arrivé plus au fond que Haïti, il aurait monté. Mm-hmm. Nous connaissons puissance antique, comment l'histoire était passée. Pas grand-pile là-dedans, jusqu'à présent, qui existait. Par exemple, la Grèce, son exemple. Et l'Iran, je dis, qui était Irak, mm-hmm. et qui était plutôt l'Iran, qui était plutôt les Médo-Persans, Irak, qui était plutôt Babylone. Ça veut dire, pays, ça a passé des fragilités à travers le temps. Mais ils ont continué à lutter pour l'existence. Je pense que Haïti, c'est quand même un jeune État, un État de 215 ans. Mm-hmm. Il y a un peu d'espoir pour nous. Je veux dire, nous avons capacité en Haïti, même si le système n'a rien lié. Même penser qu'il faut qu'il y ait des leaders d'opinion d'influence qui émergent, qui pour faire face à eux, qui pour qu'on étincelle des lumières en dans une chambre noire. Ok, c'est bien. Et Nelson Noël, candidat à la présidence 2022, et M. Tabli, introduction là, au fait en 1978. Et très jeune. Et au contraire, exactement. Au contraire, mon petit frère qui est dans l'âge. Où, et, d'accord. Et puis, il y a l'autre ami petit frère là, tout, qui est là, M. fait en 79. Mais avant de faire interview ça avec aujourd'hui, hein, et me posons une question sur vous. Je me dis que le candidat, ça me doit faire interview avec elle, c'est le monde qui est dans l'âge, non, monsieur. Ça nous pense. Il y a souri, il y a content, il y a souri. Parce que ouais, c'est le monde qui est dans l'âge. Yo. Et, d'accord. Et sans penser de tête en tant qu'un jeune, donc à dire jeune, qui a représenté, je veux dire, la communauté haïtienne, en Haïti, actuellement, politiquement parlant, tu as déchiré, tu as dit, tu as pour aller. Et en dégrabat de jour en jour, et le niveau politique, et ou même le niveau leadership. Et comment on sentit l'estomac? Est-ce qu'on sentit l'estomac plein assez pour paraître dans un système comme ça, et puis pour correspondre dans un système comme ça? Et alors, bon. Et sujet, oui, la refondation nationale et l'identité. Oui, toutes les questions sont bonnes, exactement. Ce sont belles questions. Normalement, on pense que ce n'est pas l'âge qui est incapable de juger, mm-hmm. mais c'est l'esprit qui donne de l'intelligence. Mm-hmm. Donc, c'est son sage dans le proverbe qui dit ça dans le livre de Job. Mm-hmm. Et je pense que l'autre pense que dit, et en ce qui a trait le génie, c'est bon question d'âge aussi. Moi-même, si je m'a parlé de tête point, je pense que depuis l'âge de 9 ans, moi, j'ai une conscience de responsabilité qui anime moi. Et pour me décider en leader ou encore en meneur d'homme, mm-hmm. qui fait, moi, je fais une carrière de 25 à 27 ans dans le leadership. Non seulement, j'ai commencé à faire dans le pays, mm-hmm. que moi, j'ai été représenté au niveau évangélique, vu que c'est là, background, moi, sorti. Et dans les 10 départements, j'ai été responsable formation pour des jeunes. Et puis après, j'ai été responsable formation pour des leaders au niveau de formation théologique.
avant qu'il me voyageait dans les nations. Et c'est même bagage ça tout qu'il me fait dans les nations au niveau international, côté que nous arrivés et porter service nous dans différents milieux, qu'il était dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu politique, des affaires et aussi dans le monde associatif et organisationnel. Jusqu'à ce que nous venions engager nous dans la coopération internationale après séisme et pour des projets en faveur des municipalités, surtout au plateau central, à Thomasique. Maintenant, et vous pouvez considérer peut-être moins, si on apprend dans la culture hébraïque, l'âge de 40 ans, c'est l'âge d'un roi, la maturité. Et Salomon était au roi à 40 ans, David était au roi à 40 ans, Saül était au roi à 40 ans. Ça veut dire que, et sans compter des hommes politiques, par exemple, Macron, Emmanuel Macron en France, c'est un jeune de même génération avec nous. Bon, c'est ça qui fait et caractère, un leader, c'est sens d'engagement et de responsabilité. Ça veut dire que ce n'est pas tant que vous voulez diamant sauter sous leadership, vous voulez développer un bagage. Je pense que c'est dans le domaine moi-même qui fais déjà. Maintenant, et en tant que citoyen haïtien, okay, en tant que citoyen haïtien, et je ne suis pas capable d'être indifférent par rapport à ce pays m'a traversé. Et ça fait, si nous avons regardé dans l'hymne national, nous chantons pour le drapeau, pour la patrie, nous rêvons beau. Marchons unis, marchons unis, marchons unis. Et puis, et nous disons encore formons des fils. Ça veut dire, même dans l'hymne national là, avec Jean-Léry Sainte-Écrille, bon, c'est des vérités qui parlent nous de l'identité, nous, qui parlent nous de comportement, nous, qui parlent nous de position que nous prenons. Si nous retournons encore dans un mot, hein, pour me dire ce conclu, parce que je parle pour une autre question, il dit l'identité, c'est la reconnaissance de soi, la reconnaissance de ce qu'on est par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Nous dit nation, il signifie, il vient du mot latin natio, qui signifie. En espagnol, c'est nationalidad. Ça veut dire que la nationalité, ça veut dire c'est d'où on vient. Ça veut dire, je ne suis pas capable de haïtien et puis je ne suis pas capable de venir. Je ne suis pas capable de racine, je ne suis pas capable de haïtien, je suis ignoré que mon responsabilité, qui est une nation, qui est une langue, qui est une nationalité, qui est une identité, côté que sans m'écouler, sans maman m'écouler, sans. Et puis, mon éclairé me dit, nation, ça, c'est pas thème lié, m'a maudit, non. Bon, c'est que, quel est dans la diaspora, quel est haïtien qui vit dans le pays, nous avons dette envers terre qui m'a donné naissance là. Parce que c'est à travers terre là, nous sommes nés. Et donc, on semence. Pour planter, faut récolter. Pour récolter, faut planter. Ça veut dire l'homme est une semence. Ça veut dire la terre, quand on néant, son semence qu'on qui tombe dans terre là, pour devenir un arbre. Yon ap kote ke moun kapab vin repose. Bon, se sena logik sa, m pa senti m tro jen, e pou m pran yon responsabilite pou ke m di, mwen angajem, an menm tan mwen indigne de fason pep mwen apve. Paske pou me baga la, e losko fèt nou zon, ou e bay ou pa pase bien, ou pa ka senti ou rejoui, ou pa ka leve nou sosyete, pou di bon, deske m gen madame, mwen gen pitit, et puis, quand on vise à me voir, je côté me voulais. Même qu'on résidence, même qu'on l'autre nationalité. Et puis, ou bien, content de mon dito, à me paraître, où c'est le monde où est Haïti, oui, et Timari, comme vous faites entre Timari, je n'ai pas de famille encore en Haïti. Je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas faire une recherche logique ça depuis plus jeune. Je ne peux pas retrouver. Bon, c'est que nous avons une responsabilité pour nous rendre l'environnement nous meilleur. Parce que je ne pas qu'on au monde, côté que ma petite petite moins intellectuelle, et puis tout le monde là, c'est un monde des ignorants. Bon, si ma pensée à venir petite, moi, je me suis posé penser l'avenir des autres. Parce que l'identité, c'est la reconnaissance de ce qu'on est par soi-même et notre reconnaissance aussi des autres. C'est-à-dire, pas une identité sans moi-même, pas une identité sans les autres. L'identité même complète, c'est à travers mes concitoyens. En fait, ça, c'est façon moi-même, moi, percevoir engagement, responsabilité en tant que young jeune, moi, jeune, non, parce qu'on dit les jeunes gens ont des visions. Ok. Gen yon auditeur ki voyo kesyon la, e mpa te kou vle antre lan kesyon auditeur yo, e men, e kesyon sa li vreman ale avek suje ke nap diskute la, li di, eske ak nivou globalizasyon, OK. identite haïtienne nan pa pèdi.
Et puis, deuxième volet question, monsieur dit que, et qui Jean lui fait connaître, en parlant de vous-même, qui Jean vous fait connaître qu'il y a une élection en 2022? Déjà, c'est une belle question au niveau de la globalisation. Mm-hmm. Et si vous permettez, nous faisons un voyage dans le temps. Globalisation, pas un bagage qui est nouvelle. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, c'est une globalisation qu'elle était. Ça veut dire, et tout marché littéral atlantique, là, mm-hmm. il était basé sur son fonds de commerce et transatlantique, qui c'est le commerce des esclaves, le commerce des humains. Et dans la mondialisation, ça, c'est les main-d'œuvre qu'ils ont cherché à travers qui ça, pour être capable de cultiver de l'or, et canne à sucre, cacao et autres systèmes agricoles. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est un système de mondialisation à l'époque parce que et tout grand pays à l'époque, comme la France, le Portugal, et la Hollande, et l'Angleterre, et l'Espagne, tout pays ça a été arrivé et joint une entente commune pour gérer le système économique mondial à l'époque, même à l'époque de la féodalité, même à l'époque antique. En fait, à chaque dispensation, la tendance de la mondialisation a été toujours existé parce que tu as un échange des commerces. Depuis qu'il y a un échange des commerces, nous sommes capables de parler d'un système mondialisé. Mais je dis, hein, vu qu'il y a des nouvelles technologies qui rendent la mondialisation plus accessible, par exemple, l'Europe vient après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe Schengen, et puis nous venons de l'Union européenne, nous venons de le libre-échange. Mm-hmm. Maintenant, pour qui ça mal dans l'histoire, ça, c'est face à la mondialisation, ça même, qu'Haïti a retrouvé l'identité. Haïti fait un choix, alors en sept nous, ils font un choix, ils disent bon, vu que c'est eux-mêmes qui sont victimes dans le système de mondialisation, hein, ils décident de révolter pour ne pas être esclaves encore. Mm-hmm. Et les États-Unis dans la mondialisation. Ça veut dire que et la réaction de la révolution haïtienne, ou la révolte plutôt haïtienne, mm-hmm. ça a été une révolte face à un système mondialisé. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est pour cette raison maintenant, ces mêmes pays, ces mêmes puissances mondialisées, encore colonialisme ou impérialiste, ils ont uni pour dire Haïti a payé. Charles X, 22 ans après l'indépendance, non, pour nous, ouais, pouvoir mondialisation, hein, il dit pas d'accord l'indépendance, non, ils veulent envahir Haïti. Et bien, il y a une négociation faite de 1825 pour certains à 1949, pour d'autres à 1942, Haïti a dû payer son indépendance à la France. Mm-hmm. Mais cette indépendance due à la France, hein, ça a été aussi face à un système mondialisé. En quelque sorte, et est-ce qu'Haïti a perdu l'identité face à la mondialisation? Je suis capable de dire non. On t'a fait je suis capable de dire non. Je pense que je dis, hein, Haïti vient de une diversité. Parce que Haïti, pas seulement est un groupe tribu esclave qui prend indépendance aujourd'hui, hein? Parce que pendant 200 ans, ça a eu des évolutions qui fait. Nous sommes capables de parler d'une civilisation haïtienne. Pour qui ça? Parce qu'il y a un premier peuple noir qui prend indépendance, li, qui marquait l'histoire, son civilisation. Li. Ça veut dire que et Haïti a une identité. Maintenant, ce sont questions que de prise de conscience individuelle et collective. Comment aller très loin? Il y a deux bagailles qui te prennent naissance pour que Haïti devienne une identité, ça, qu'on appelle aujourd'hui Haïti, identité haïtienne. La première bagaille, c'était la conscience, une prise de conscience. D'abord, prise de conscience, si on a étudié l'étymologie mot conscience là, con avec, sensia, sensia et connaissance, ça veut dire avec connaissance. On prise de connaissance de quelque chose, d'une situation. Mais si on réalise que pendant 400 ans, parents et esclaves, mais de génération ça, nous ne pouvons pas continuer dans le système ça, il faut un changement qui fait. Ça, c'est le premier bagage qui fait là, il y a une prise de conscience. Deuxième chose. Ma fonte, c'est quoi là, et pour nous entrer, pour nous entrer dans la question purement scientifique. Et, oui. Si je ne me trompe pas, et dans les Jacobins noirs, il y a un passage qui dit il n'y a pas d'esclave, il n'y a d'esclave quand l'esclave reconnaît sa condition d'esclave. Exactement, les conditions. On va parler de identité et qu'on y a montré la condition.
Et là, nous parlons de conditions au niveau esclavagiste, c'est que l'esclave là lui-même, ça te fait le révolter, c'est parce que le senti condition n'est pas bon pour lui. Mais exactement. Parce que là, on est loin et ça te fait venir loin avant. Le premier là, on dit que n'a parlé ou parlé de l'identité nationale, mais à l'époque, esclave là lui-même, la condition là, vivre là, pas même quoi elle était contre question identité. Parce que le talent, il n'y a pas d'esclave quand l'esclave reconnaît sa condition d'esclave. Qui veut dire à l'époque, c'est la condition de vivre qui fait que lui pas de bon pour lui au fond révolte. Mais quand on là, l'on parle de identité nationale, ou rentre, bon, est-ce qu'on rentre puis fond la question? Hein? Parce que quand on là, j'aime dire que bagayo a pour aller et bah yo pas marché très bien. Ok? Est-ce que vous pensez que j'en rentre la question là, est-ce que vous pouvez parler de conditions actuellement le problème que nous vivons là en Haïti? Est-ce que qu'on y a un peuple ça, c'est pas condition que l'on est avant que l'on est identité? Ça sont belles questions parce que c'est peuple là d'abord les conditions, des conditions aléatoires, des conditions qui pas été respectées, des conditions inhumaines, dégradantes, des conditions capable de dire qui pas valoriser la dignité humaine. Excusez-moi. Est-ce que c'est pas condition pour avant à profiter de l'identité hein? Parce que dans le condition qui va bon. Continue. On comprend ce que vous dites. Alors, il y a une bagaille tout. Vous connaissez avant un changement fait, toujours un groupe élite qui entend et entraîne une renaissance, qui entraîne une convention. Qui entre non qui en fait était comme d'ado Toussaint Louverture avec la constitution de 1803 et que ça n'a pas été la constitution la plus en fait mais ça a été plutôt le premier brin de lumière des nations avec constitution ça que Toussaint Louverture écrit ça veut dire que ou capable de gagner un groupe élite qui t'a pensé qui t'a affranchi avant même le peuple. Dans chaque génération, on trouve un groupe de monde qui prend conscience des conditions et qui commence à penser, qui quand on sort dans la condition, qui a pensé à l'identité, qui a pensé à la solution. Je pense que c'est ça qui mène le changement dans la société. Si nous avons la révolution castriste, mais quel était Che Guevara, quel était Castro, monsieur, ça a commencé à penser depuis l'école que Gombara qui devait prendre place, Gombara qui devait changer. Même avant que la population prenne conscience des dimensions ça. Parfois, la population prend conscience, mais elle a besoin d'un leader, elle a besoin d'une génération qui peut dans une direction. Bon, c'est que je dis, c'est même bagarre là avec Haïti. Haïti est revenu dans une situation d'où les conditions sont dégradantes. Les conditions donnent des étincelles d'esclavage. Ça veut dire que, et façon peuple noir vivre là, pas de droits sociaux, pas de droit économique qui est respecté, inégalité, son société qui est abandonnée, qui pas, regardez comment la question de sécurité a ravagé le pays. Je pense que tout le peuple aujourd'hui comprend que les conditions ça yo, yo arrivent dans une dimension, dans l'apogée. Et bien, je pense que tout le monde aujourd'hui est prêt pour un changement. Haïtien prêt pour un changement. Je pense que actuellement, là, c'est dans la phase ça, pour que le changement fait, c'est ça qu'on a parlé de refondation. Parce que nous ne pouvons pas considérer Haïti pas de bon bagage qui était fait. Haïti représente un monument historique. Maintenant, je pense que nous avons assez de valeurs dans le fondement nous, pour nous dire que nous sommes capables de faire une refondation pour nous continuer avec cette vision nationale. Parce qu'Haïti est une nation. Moi, je crois être une nation. C'est la première république. Ça veut dire que même si nous sommes malades, c'est ça qu'on a dit que. Et en famille, depuis que tout le monde, que maman, que papa, en famille, même si des situations difficiles, des conflits dans la famille, c'est une famille en conflit. Parce que Haïti est une famille en conflit, mais la famille existe. Parce que le mariage est la tête, de consommer, il y a tout le monde qui fait le mariage haïtien. Parce que c'est une famille, Haïti est une famille. Parce que c'est une famille qui est en difficulté, une famille qui est en crise. Maintenant, il faut trouver une entente, de s'asseoir autour d'une table pour nous chiter ensemble. Et bien, pour nous dire, regardez, en tant que famille, à nous apprendre la vérité de ça, nous, ensemble,
Et puis pour nous dire, mais quand on va aller, et chemin, on parle d'autre chose. Quand on parle de la refondation morale, il commence aussi avec la réconciliation, la prise de conscience individuelle et la prise de conscience collective. Quand il détaille, on va l'oublier par rapport à ce dire. Troisième bagage qui était fait, que l'esclavage est allé encore loin, il n'y a pas seulement prendre conscience des conditions et puis il était révolté, mais il était conscience d'avenir aussi. Ils ont décidé pour dire on nous construit l'avenir, on nous font façon pour esclavage là pas jamais répéter encore et qui ça a fait. Ils ont formé une armée qui non seulement capable de protéger nous en tant que nation, mais c'est ça aussi scientifique. Ok, non seulement ils font une armée capable de protéger eux et ils mettent des services réserves qui capable aider l'autre pays jeune liberté. Ok, comme Miranda. Hein, comme El Libertador, avec tout genre d'action, ça y est, si on a voyagé dans le temps pour nous, acte intellectuel que monsieur a été posé, son baril extraordinaire. Est-ce que je dis à nous-mêmes, nous organisons nous assez, et puis pour nous dire nous avons une réserve pour nous faire un monde. Bon, entre nous-mêmes déjà, nous ne pouvons pas même mettre, comment on dit ça, nous ne pouvons pas même mettre ensemble pour nous dire assez pour nous-mêmes. Pour nous organiser, nous, pour nous avoir de l'autre monde. Et nous voyons le camp pour là, parce que nous avons une petite pause et publicitaire. Après ça, nous avons tourné et nous avons demandé aux auditoires là, avec tout le monde qui est live sur Facebook pour parler. Nous avons tourné tout à l'heure. Oui, chers amis auditeurs, nous avons continué l'émission, mais nous avons fait une petite publicité sous. Elite Association a présenté le 18 mai à 7 h PM une tropicale soirée, Troubadour Paris, dans MCC Event Hall, 1711 Athens Highway, Unit 300, Grayson, Georgia, 30017. Admission, c'est $50. Manger inclus la donnée. Et performance, nous avons DJ Massive, comédien Lady Q, spécial invité Hermit Charles. Ou même qui l'en Gwinnett County ou abjouen Tikeyo, l'en Citadelle, la Bécry, la Différence Restaurant, et puis sous eventbrite.com. Pour plus d'informations, ou carré les Sandy, l'en numéro 678-267-48-56. Pour plus d'informations, ou carré les Sandy, l'en numéro 678-267-48-56. We'll be right back.
Johnny C. Productions, invitez-nous toutes dans Georgia et les environs, samedi 15 juin 2019, dès 10h du soir, dans une double affiche dans Horizons Event Hall de North Cross Georgia. À l'affiche, l'excellente formation musicale, disciple de Gazman Couleur. Et Jazz Café Moon bien dansé à cadence, venu directement d'Haïti. Pour moi, c'était pour la nuit. Animation musicale au rythme de DJ Easy, soirée album release party du tout dernier CD de Disciple de Gazman Couleur. Samedi 15 juin 2019 dans Horizons Event Hall, 4990 Jimmy Carter Boulevard, North Cross Georgia, vous pral bien fêter, bon compas pral tomber, Disciple avec cadence pral bien déposer. Admission $25 à l'avance, $30 à la porte. Pour tickets, VIP, réservation de table et de bouteilles, appelez Johnny C. Productions jeudi à 404-901-1511 ou bien visitez Johnny C. Productions LLC.com. Disciple cadence, placé sous le haut patronat de Inspirational Homes, Intellect Systems, Pro Sounds Plus, Lacol Magazine, Radio Tambour.com, Island Luxury Limousine Services, The Charleston Group Foundation et Rupi Production Television. Gervais Tax Services qui dans 3411 Hostel Road Southwest dans Marietta, Georgia, pas seulement l'ouvri porte pour saison taxe là, li là pour toute année pour capable bien gérer taxe. L'orée les 678-749-8618, c'est tout cassé rendez-vous pour fil taxe ou année ça. Notaire public, fax accounting services, là pour vous, à tout l'autre service financier que vous avez besoin. Gervais Tax Services, pareil pour fil taxe individuel ou soit business, à la lumière des principes établis par IRS. Sous place, notaire public vous paraît pour notarier tout document que vous avez besoin. Et sans gratter tête, accounting services disponible pour business ou capable bien gérer. Gervais Tax Services. Attends l'appel ou dans 678-749-8618. Gervais Tax Services. Paré pour recevoir dans 3411 Hostel Road Southwest dans Marietta, Georgia. Et Gervais Tax Services ou capable visiter online dans gervaistaxservices.com. Lors visiter online ou capable bien joindre, bien contrer à tout service que l'office offrit à la clientèle. Gervais Tax Services. 6 ans d'expérience professionnelle. Prix abordable qu'on choisit pour chaque client. Et oui, chers amis, auditeurs, auditrices de RadioTambour.com, nous avons suivi l'émission pour tout le monde présentée par Dr. Wessler de Vezin. Invité spécial aujourd'hui, hein, c'est M. Nelson Noël, candidat à la présidence d'Haïti 2022. Et sujet que nous avons discuté sous les jeudis, c'est la refondation morale et l'identité nationale. Ça, c'est pour la première partie émission. Nous avons rentré dans la deuxième partie émission. Et nous avons quitté le sujet derrière parce que nous souhaitons que tout auditeur, t'attendez, auditrice, vous édifié de l'information que vous portez à Noël. Et nous gagnons. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler avec les questions d'actualité. Ce qui a passé actuellement en Haïti, c'est une des raisons que m'inviter un journaliste de nom, Eden Zeba, qui fait nom la communauté, et diaspora. Et en Haïti, il fait cette grande émission de ce passé là, sur tout Haïti. Et je suis bien content que. Alors, bien content tout que monsieur a participé à l'émission. Et Nabdi et Maître Débat, bonsoir. Hello? Hello? Bonsoir, docteur Lefezien. Vous entendez-moi recevoir, moi? Je recevoir très bien. Et OK, donc. Nous gagnons Noël Nelson, candidat à la présidence 2022. Et je crois que vous attendez le débat première partie, la refondation morale et l'identité nationale. Qu'on y en a rentré dans la question d'actualité. Question en Haïti, question insécurité, question corruption, tout problème ça en Haïti. Là, par exemple, nous gagnons un candidat, qu'on y a, monsieur son jeune candidat, monsieur fait en 1978. Nous connaissons que vous avez pile question dans Jacques Outou pour poser et candidat Noël Nelson, ou gagne quoi pour vous, et Eden Zeba Michel. Eden Zeba.
D'accord. Et docteur Wesley, et est-ce que candidat recevoir moi, est-ce que les auditeurs attendent moi parce que moi même pas de attendre le bien. Mm-hmm. Moi-même et sous téléphone non, j'ai seulement à recevoir sur sous Facebook hein. Oh, OK. Donc, OK. Uh-huh. Mais OK, moi penser qu'on y a et mandé lui est-ce que fait signe. Est-ce que autant de et ou pas attendre li pas attendre. Non, pas attendre. Non, on connaît parce que connexion téléphone ou ensemble est difficile. Pas les rencontrer jour, on peut pas mettre. Si c'est deux lignes ou fait t'es attendre. OK. Mais si c'est sur deux téléphones, li pas attendre. Li pas attendre moi. Est-ce que et ou voulez poser question moi m'a transmettre li pour pas un problème. Bon oui, donc c'est là dans l'identité. Alors et moins tendé les amis un candidat et bon moi je pense que et si mais on est candidat Eden Staller et ou qu'on ça va faire ou mettre au sous mute Noël et puis on va mettre émission pour qu'attendre questions et journaliste Eden et à poser des questions. Alors ça qui passe tout qu'on est bon retard. Mm-hmm. Et entre ça m'a dit et le doit passer sur Facebook là pour la rejoindre donc après on retard mais pas un problème bon fait bon font question courte. OK et mande dis monsieur moi que et un gros problème que pays d'Haïti gain jodi a et c'est que nous gain une équipe amateur une équipe tête mato qui eux même et a dirigé pays donc c'est ça fait pas ba résultat. Et lui même li paraît là son jeune m'pa wè aucun expérience politique donc si monsieur gen des expérience politique dit et li té capable en fait dit nous qui ça wè OK des expérience au niveau politique. Alors m'a fait tout effort pour me retransmettre question en jeune dit et journaliste Denz Debat dit ou comme ça que en Haïti et puis fort monsieur a fait tout le monde d'a gouverner pays ça c'est amateur il est considéré comme des amateurs mais ou même comme un jeune et qui paraît tête tout là il paraît que il pensait que ou pas aucune expérience politique et qui ça ou même au cas il parlait de expérience politique qui vient paraît tête tout là actuellement comme candidat à la présidence. Est-ce que me fait pêcher la question hein? Oui, alors pas mettre tête matoua, pas tête matoua. Mon nom pas la mettre là ça. C'est pour ça que nèg c'est amateur oui et en Haïti tête mato. Alors c'est lui même qui dit, vous comprenez? OK, vous mettez ça dit. Je suis habitué avec lui connait pas la mettre tête matoua. Tête matoua. J'ai parlé bon créole. Okay. En tout cas, je profite pour me saluer monsieur Eden et Michel, c'est ça? Eden c'est Michel. Mm-hmm. Michel. En tout cas, mais ça passé et moi-même moi pas qu'à dire que moi j'ai une expérience de la politicienne haïtienne. Mm-hmm. La façon que monsieur fait politique, on qu'a dit depuis jeunesse moi pendant après 1900 et 86 yo et en question de retirer puis au mettre pas politique de révolte politique destruction one ça veut dire que pas qu'à dire que moi une expérience politique dans domaine Machiavel ça. Mm-hmm. Mais après la politique sociale la politique de développement moi sont acteur politique depuis l'âge de 9 ans m'a initié et tant qu'on dans semaine nous gagne un ami et qui était capable de c'était un nem dans quartier moi dans tort côté me lever carrefour même chez c'est un homme lorsque tu as gagné par exemple et l'autre jeune ou bien l'autre plus grand qui vient faire des ordres dans quartier c'est monsieur il a pris les pour venir mettre l'ordre et puis monsieur dit Mendelson bat attend nous non même dans face politique ça. Mm-hmm. Même qu'on est des petits monde vraiment où tu as un sens de responsabilité un sens d'engagement. Ça veut dire tout engagement moi c'était sur le développement humain. Moi son leader formateur qui a formé leader. Ça veut dire que je pensais que moi j'ai un sens politique là quand même. Maintenant si on a défini la politique de la cité qui est le développement individuel et le développement collectif, la vision de l'économie, la vision d'une société
et puis en même temps, au niveau de la coopération internationale, je ne sais pas si fait une grande expérience, mais quand même, moi, j'ai servi et méritomatique qui permettent que même magistrat qui m'était servi à travers ça m'était initié, devine président et des maires frontaliers au niveau Haïti et au niveau de la République dominicaine. Est-ce qu'on l'a avec moi? Avec bilan, perspective qui m'était développé pour nous autres. En quelque sorte, je pense que, comme on dit, et M. Eben Deba Michel, bagon expérience de la politique politicienne haïtienne et comme elle est faite de manière sauvage, brutale, criminelle et sans équivoque, sans vision, ça me parle d'expérience ça. Mais en ce qui a trait la vision d'un pays, la vision de l'homme et la vision du développement humain, je pense que je possède cette vision. Eden, m'pa konn sou satisfait. Ouais. Bon, et bien entendu, et moi entendé en bonne partie et nan réponse zanmi an, on connaît que et une nan raison que fait me mettre tête matoa même c'est parce que tête matoa a une signification. Et pour tout haïtien k'ap tande, il a une signification dans politique là. L'autre tête matoa yo bon machine nan, ou pa gen expérience, ou ap chavirer machine. Ou a fait accident ensemble avec. Donc étant donné que monsieur Bagou a une expérience politique, donc nous clair, nous connaît que et pour moi pratiquement et pour mon capitaine Dio, nous pas fait expérience pratiquement ensemble avec un monde qui lui même pas gagné une bonne expérience politique. Maintenant deuxième question maintenant. Deuxième à moi, est-ce que li constitution? Est-ce que li constitution pays a? Et quoi article dans la constitution qui dit pour on est là au Tavini et pour président pays a et gagner quand même et une quantité de temps et quota passé en Haïti en temps élection pour le fait là et kounia et qui côté monsieur yé qui côté le résider. Et est-ce que autant de questions hein? Elle m'attendait là, oui. Bon, autant de questions, ok. Sous autant de questions, et moi, pas besoin de reformuler le pour vous. Autant de l'oukar répondre, pas vrai? Les gens disent, mais dès que vous finissez de l'oukar ou répondre. D'accord. Autant de questions. Ok. Monsieur, recevoir la question, Eden. Oui, okay. Oui, je connais la position. Maintenant, je pense que depuis 16 ans, moi, c'est un monde qui est actif annuellement en Haïti. Jusqu'à ce qu'en 2015, à travers la méritomatique, moi, je suis capable d'y habiter Haïti. Mais, je ne cache l'ombrite, c'est que moi, j'ai vécu en France, moi, j'ai un petit monde qui fait en Europe. Moi, toujours, j'ai un salaire, on va et vient entre les deux pays. Maintenant, et oui, moi, les constitutions, j'ai un copie là devant moi. Monsieur okay. Montour l'appelé Constitution Louis Edens. Ça veut dire, maintenant, je m'a pour la question, est-ce que je pense à l'élection en 2022? Ou bien pour qui ça m'a agi dès maintenant pour 2022? Je pense que d'après la Constitution, une nouvelle élection a fait en 2022. Et il y a une série d'engagements en tant que citoyen que la Constitution a amendé. Je pense que nous, après avoir dans la ligne ça, pour que nous ajoutions, j'ai constitution Mandela. OK? Et bon, c'est pour me répondre à l'autre question, bon, nous pouvons connaître comment la conjoncture politique la balie face à la crise politico-sociale qui a fait là, est-ce qu'il y a une nouvelle élection en 2022? Moi-même, j'ai une série de et réclamations que je fais en tant que candidat pour l'élection 2022. Nous avons par exemple, constitution amendée avant 2022. Dans la diaspora, il y a un droit de vote, ok? Et pour la nouvelle élection présidentielle qui va le faire là. Je conseille des revendications, tout, même si je suis candidat, je conseille des revendications dans le programme moi, et pour la diaspora, capable d'entrer dans ce qui va passer en Haïti. Parce que je suis capable de dire que Haïti son oiseau à deux grands ailes. Il y a un aile qui représente la diaspora et il y a un aile qui représente Haïtien qui vivent dans le pays. Bon, c'est sans des grands ailes, ça y est. Et un coup, nous sommes pays qui boitent.
Bon, c'est dans la phase qu'on est là, pas capable de faire une nouvelle élection, sans qu'il n'y ait pas une table ronde, sans que la diaspora pas une voix pâle et en dedans, ça va passer en 2022. Moi-même, pour toute revendication, ça. Et puis, avec la constitution qui est actuelle, là, moi, je travaille tout pour m'adapter ensemble avec elle. Même penser que la constitution actuelle, là, n'est pas du tout non-sens. Il n'y a pas de diaspora aucun droit, et puis il espère de diaspora. Nous, les pays à Téloc, l'Ouest-Union, nous sommes en côté d'Adim, c'est en ligne, même les gens qui vont chercher de l'eau, les parents de l'eau qui font, les parents de la ville. Bon, c'est que diaspora représente une élite intellectuelle qui entre, et nous avons dit 80-75% des pays qui dehors, qui quittent les pays. Bon, si nous voulons construire un pays vrai, dans la phase crise que nous est là, nous pas dire que nous allons faire élection sans que nous pas revoir la constitution hein, pour nous bailler diaspora droit de vote, pour nous bailler tout intellectuel pays, cerveau pays, scientifique pays, quel que soit le domaine, venir autour d'une table pour définir le pays qu'elle voulait pour demain. Moi-même, dans le projet des sociétés qui me portent, hein, son projet qui me portait pour tous les Haïtiens indistinctement. Avec dit, m'pa ouais, moi-même qui va le sentir mal à l'aise dans l'élection, côté que diaspora pas qu'à exprimer. Ça veut dire ça c'est une revendication et ça fait moi bon projet, OK? En même temps mon programme et en même temps tout, moi gagne des revendications qui nobles et ça fait mon slogan qui est la diaspora s'organise côté que moi voyager un peu partout en France, aux États-Unis, bientôt moi gagne au Canada tout pour me rencontrer diaspora haïtienne, non? Pour me capable exposer vision que moi gagne pour pays là et puis pour me capable tant qu'on nous espère des référendums, je dis à pas qu'à pas grand monde qui gagne la réponse absolue pour Haïti. La réponse absolue d'une personne n'existe pas. La réponse, elle doit être commune. C'est pourquoi tout à l'heure, nous parlons d'identité, nous parlons de nation. Pas qu'à gagner identité sans de caractère, la définition personnelle de soi et sans la définition de l'autre. Ça veut dire que si on a parlé de l'identité haïtienne, la refondation nationale, il s'agit de tous les Haïtiens, que ce soit les Haïtiens vivant dans le pays et les Haïtiens vivant à l'étranger, nous tous ces Haïtiens. Pas rien de Haïti. Je veux dire, politique, ça a eu cap développé Jean-Monsieur Eden Deba, Michel Sotdian, son politique qui divisait Haïti. Non seulement il divisait Haïti en diaspora et Haïtiens qui vivent dans le pays, et dans le même propre pays encore, il divisait. Qui ça le fait? Toute jeunesse là. Pollué presque, mettre des âmes dans mes jeunes, et puis même système encore, bah, tuer les jeunes, ça. Même pas pour ça. Les tiges tombent, c'est des gens qui comptent. Oh, tiges tombent. Mais tiges sont victimes d'un système. Même quand leur policier tombé, ils sont victimes d'un système. Moi-même, moi, contre les mois, sans ici à couler. Parce que c'est le même système qui a mangé ce petit système, petit pays encore. Parce qu'il faut que ça change. J'ai une question à poser. Oui, m'a préparé pour me conjuguer avec la constitution qu'il a, mais moi-même tout, moi je vais l'amender. Moi, j'ai une revendication pour l'amender. Et je vais d'autres choses encore. Je pense que dans notre question qui a venu, qui est pour me dire dans l'émission, qui supposait défendre, par exemple, et l'accord du 31 mars 2010, je ne vais pas continuer au courant de l'accord, ça. L'accord de Genève. OK. Et alors, ma prendre l'autre question, puis ma rentrer dans l'accord de Genève. On va rentrer dans l'accord de Genève, là. L'accord de New York, pardon. L'accord de New York, je veux dire. L'accord de New York. Je corrige. L'accord de New York. Vous finissez, et Eden, vous avez une question encore? Parce que l'auditoire a une question, et puis m'a regardé une question là, sur le chat là. Oui, justement. Bon, on a dit, political experience is not necessary. On n'a pas besoin d'obliger l'expérience politique pour vous connaître. On a besoin de vision. Moi, je souris ou content question ça, ça dit. Content, exactement. OK, Eden, vous avez une autre question. Et pour nous, parce que nous avons une question pour lui tout. Et je ne pas contre souris. Bon, me poser dernier pas maintenant, okay. Qui peut être son relance et par rapport à débat que monsieur dit. Alors pendant que m'attendais là m'attendais que le dit et projet de société l'hypothéa. Donc et senti que bon moi dans bah là comme si monsieur son élément de grainin, c'est comme si m'ta son grain 5. Moi pas attendais monsieur parler d'un parti politique, m'pas attendais monsieur parler de un groupe monde, parce que
Ça a été gain l'âge aussi, docteur de Vezin. Mm-hmm. Et nous connaissons, on n'est pas qu'à en sorti sur le devant bon matin et vous dit, moins candidat à la présidence. Et mm-hmm. on groupe monde capable pour ton projet. Et je ne m'attendais pas à parler de un parti politique. Mandé est-ce que l'on parti politique? Mandé est-ce que c'est lui-même pour continuer à changer Haïti moué là? Donc, l'elle dit, le projet serait l'hypothéa, est-ce que c'est lui seulement qui a le fait? Bravo. Et autant de questions, hein? M'entendez, me répondez déjà. Si monsieur Eden Pavle faire Kokalan politique, monsieur Eden débat Michel Pavle Kokalan politique, l'attendez qu'il me dit de manière claire que la solution haïtienne, c'est pas un humain, c'est une solution collective qui est liée. Mais ça fait me dit tout, moi aller à la rencontre diaspora et population haïtienne en Haïti bientôt, non esprit de référendum côté que pour nous brasser l'idée ensemble, me dit encore, me dit que Haïti son oiseau bien de grands ailes qui besoin tout le monde venir dans table là autour d'un projet. Oui, mon mouvement. Comme pas une question posée sur mouvement, mon grand mouvement qui me créer que les Haïti 2054, objectif mouvement ça, lui prenait la refondation d'Haïti à l'horizon 2054. Autour d'un projet ambitieux qui fixait à 1000 milliards d'euros, 1000 milliards de dollars ou 1000 milliards d'euros. Ça veut dire que vision nous, c'est parler de la refondation du pays à travers six grands axes. La refondation territoriale, la refondation morale, la refondation économique, la refondation sociale, la refondation institutionnelle et aussi la refondation au niveau de la coopération internationale. C'est-à-dire que nous portons un projet. Mm-hmm. On parlait de gros chiffres là, de 1000 milliards d'euros. Expliquez-nous ça. Et rentrez plus d'emblée pour nous la qualité chiffre ça ou présenter là. Mais ça passe. Et depuis moi-même, mon petit monde, pourquoi j'entends une vision d'envergure pour le pays? Tout accord au niveau coopération qu'a fait, c'est des accords, j'appellerai humanitaires. Quel était avec Banque mondiale, quel était avec Banque centrale, quel était avec l'Union européenne, c'est des accords humanitaires. C'est-à-dire, on va. C'est que vous mettez Haïti sous perfusion, sous placebo. D'un coup, c'est tel tant millions de dons pour Haïti. Mais vous n'êtes pas capable, un État, nation, et puis ce traitement ça que Haïti tout a gagné. Pendant que la République dominicaine à côté, c'est des milliards qui parlent en termes de coopération. Pour qui ça? Pour qui ça? Côté faiblesse là. Moi-même, je fais une expérience comme M. Den déposé. Et dans le débat, Michel, te pose des questions sur l'expérience. Moi, je fais une expérience au niveau frontalier. Les mairies frontalières. Et chaque année, il y a des grands budgets, des grosses sommes qui sont allouées pour frontières. Mais on compte qui ça fait et un problème au niveau de développement mairie, par un technicien qui a écrit des vrais projets pour aller chercher comme ça. La République dominicaine, il y a une diaspora qui a des élites connectées avec des élites qui sont dans le pays. Il y a comment pour monter le projet pour y aller prendre million ça yo, dans la frontière là. La frontière entre Haïti et la République dominicaine, son troisième État, son troisième pays, c'est comme ça qu'on définit. Et bien, chaque année, il y a un paquet d'argent qui allait en République dominicaine, qui parvient à Haïti, et il y a un paquet d'argent qui tournait encore dans la Banque mondiale, qui tournait en Europe, qui tournait et au Canada, parce que par des techniciens haïtiens compétents comme technostructure, comme bureau d'études dans Mério, qui pour présenter des projets valables, qui pour aller prendre comme ça. OK. Et Map Campo, là, on va parler de bagay qui est très intéressant et pour l'auditoire là, et tout le monde qui live là en Facebook. Et l'on parle de chiffres, ça y est, on dit que projet ça y est, nous pas des techniciens qui pour aller, ou même. Pour qui ça c'est président pour aller et pour un projet comme ça capable et, ou même est-ce qu'on pas capable et, ou pas ta capable former des techniciens tout même pour connaissance qu'on gagne avec contact qu'on gagne à travers le monde ou former des techniciens pour capable aider nous dans le projet ça pour qui ça c'est président pour un bagage comme ça fait. Ou pose une belle question et une grande question tout qui est pertinente. Mm-hmm. Et on va essayer de toucher une série de révélations avant, mm-hmm. mais sans citer des noms. Sans citer des noms. Parce que je ne pas aimer et dénigrer, craser le monde. Oui. Et pas vision, ça me vient des pays. Oui. Et en 2015, lorsque Mary Thomas proposait pour me venir consultant
et délégué international, c'est-à-dire responsable de coopération internationale pour Meria, pour me penser un projet de coopération triangulaire. Je m'explique. Moi, je suis avec le gouvernement dominicain à travers la coopération dominicaine, la MEPID, qui c'est Seigneur Innocencio Garcia, là, je suis dénoncé parce que c'est le nom officiel. Je suis avec la coopération allemande, à l'époque, Madame Marina Meuse. Je présente un projet de coopération, côté qui est moins au courant, et là, je m'entraîne dans le débat, de un accord qui est fait à New York le 31 mars 2010, qui dit qu'il veut la refondation d'Haïti à travers les municipalités. Ça, c'est une vraie phrase, cet accord-là. Parce qu'après le séisme, la communauté internationale avec Haïti, Yoshita ensemble, pour doter Haïti d'une vision. Banque mondiale, l'ONU, toutes grandes institutions internationales, ils penchaient sur la question d'Haïti. Comment des malheurs, ça, 300 000 personnes qui mourir, plus de 50 000 orphelins, pays avec détruit à 80%, comment des malheurs, ça, ils ont joué meilleur capable de lever Haïti pour les Haïtiens. Et bien, effectivement, il y a 10 grandes questions qui te posées dans nos documents officiels. Je dis à qui est le ministère de planification depuis 9 ans, dont la population n'a aucune idée des événements de ce projet. Je dis bien, même des ministres, parfois des hommes politiques, des sénateurs, des députés, ils n'ont pas aucune idée de cet accord du 31 mars 2010 qui vise la refondation, la reconstruction d'Haïti autour de 10 grandes questions. Sur Internet, ou fait plan stratégique de la refondation d'Haïti, ou avez un document qui est capable de tomber sous chez vous. Maintenant, les mots courants des dossiers, ça, et puis on mérite, par rapport au travail social qui m'a fait plateau central, proposer une telle et position honoraire, moi, je fais ce souli, je ne vais pas payer, je dis bon, même si je pose une question là, je dis bon, nous, on a des compétences, on a aidé l'autre nation, son confiance internationale, ou une relation, qui soit capable de faire pour aider nous à avancer. Je dis bon, je ne sais pas quoi, on a un poisson. Nous connaissons apprendre à pêcher. Si nous avons patience, nous voulons faire un bagage qui est à long terme, un vrai projet, même la donne. Mais si c'est un petit poisson, on va dans la politique. Ça. Et nous disons pas de problème, présentez-nous une idée. Nous disons, bon, mais ça me propose. Nous avons un chita avec plusieurs coopérations pour nous proposer un vrai projet qui est dans la figure. Effectivement, mais allons d'accord avec M. François Wilma. Un chita avec coopération Sayo, mener Merlin à chita avec non seulement ministre coopération, coopération yo, et ministre de l'économie dominicaine. Mais qui ça va le passer? Projet avec les trois axes, environnement, agriculture et les énergies. C'était tous trois axes. Yo. Premier projet, c'était faire de Thomasy une ville pilote dans tous les domaines. Ça veut dire que ce projet est des milliards. C'est comme ça que nous commençons. Effectivement, nous avons aval l'Allemagne. Nous avons aval tout, coopération de la République dominicaine. Maintenant, lorsque nous allons auprès des gouvernements panouans, parce que nous avons besoin d'aval gouvernement panouan. Et ça, privés, dans le gouvernement, exactement, dans le gouvernement de transition, nous avons nos premiers aval ministère, planification. Le gouvernement vient de changer, mais c'est le même ministre qui était ministre de transition, qui devient encore ministre sous nouveau gouvernement et M. Jovenel Moïse. Et mais qui ça va le passer? Lorsque le projet arrive dans la phase pour un dernier accord fait, triangulaire, nous avons un esprit de récupération qui vient présenter. OK? Quand on a laissé manifester, nous avons des choix. C'est à prendre une valise, à faire bruit, ou bien moins reculer, moins agir en bon citoyen, m'a pensé qui ça, qui alternative, qui possible pour projet, ça ne va pas passer dans le temps. Parce que projet accord 31 mars 2010, là, mes chers amis, auditeurs et auditrices, à côté, son accord, mais comment le fait? De mars, en nous dit, à quoi fait 31 mars? Maintenant, de avril 2010 jusqu'à octobre 2012, ou est depuis ces débris qui dans le pays, t'as supposé enlever, bah, t'as supposé un monde dans la rue encore. Et ça, c'est un accord. Okay. Maintenant, de 2012 jusqu'à 2033, c'est la reconstruction du pays au niveau des 10 départements. Et quand je parle avec vous là, il y a quatre même typographiques
topographique et géographique qui bat toute cible côté que toute construction est supposée faire. Et bien ça au lot yon trésorerie qui est le CAEN, tout fonds international d'investissement pour construction à l'entrée là-dedans. Pour construire pays. Eh bien, je dis, il y a un dossier Petro-Caribe Challenge. Attendez bien, monsieur. Détourner l'attention du public sur le vrai dossier du pays. Devant 3,8 millions, et plus, devant 3,8 milliards. Il n'y a pas rien devant l'accord de New York, là. Ça n'a pas rien devant l'accord de New York, là. Le vrai dossier pour le peuple haïtien, pour l'avenir du pays, c'est l'accord de New York. C'est l'accord du 31 mars. Parce que c'est Yves, ça, tout le monde qui a mouru. Déjà, moi-même, on a parlé avec un dîner. Je m'attendais que le plan sanitaire, psychologique, on s'est de crise qui t'a mis au service des populations, hein, qui peut pas bailler la population en soins. Je dis, si ce n'est pas explosé déjà, monsieur, et pas boule seulement que tu as boule, non? Et pas zam seulement que tu as pris, non? Haïtiens sont peuple qui ont moral qui fort. Parce que là, on peut finir pour un cri psychologique. 300 000 monde mourir. Tout pays a détruit. Et puis pour peuple, ça parle aucun soin psychologique. Vous pensez un blanc capable de vivre avec ça? Bah, on l'autre nation capable de vivre. Bah, on l'autre nation capable de vivre. C'est seulement haïtien peut-être qui a courage ça, qui est capable de vivre ça, nous vivre là. Bref. Et position pour pays a, au niveau de la présidence, ce n'est pas une folie. Mm-hmm. Je prends en main ce dossier. Et ça fait, moi, dit, moi, je voulais une révision de l'accord de New York du 31 mars 2010, côté que nous prolongeons en 2054, qui a fait Haïti 250 ans. Et ça fait, moi, créer un mouvement qui est Haïti 2054. Et j'en m'explique là, moi, créer une organisation en France, côté que moi, j'ai les papiers officiels du gouvernement français. Et objectif organisation, c'est rendre l'autonomie au peuple haïtien à l'horizon 2054. Autour d'un projet ambitieux fixé à 1 milliards d'euros et mettez toute question en coordonnée, toute bagasse dans le statut officiellement. Et nous n'avons pas bien nommé nous. Pour qui ça? Parce que nous voulons valoriser un programme qui existait pour le pays. Accord de New York, là, c'est pour un bagage qui a fait nos cadeaux, mais son bagage qui est là pour Haïti, pour tout Haïtien. Même penser à ces islam, c'est une occasion pour tout le monde de chiter ensemble pour nous dire, mais Haïti demain, qu'est-ce que nous bah, ce gouvernement, pendant 9 ans, il a valorisé la fondation pays, la reconstruction pays. Tout le monde, depuis qu'il a 4 ans, il a pu être dans la radio et la télévision. Mais le projet qui pourra être reconstruit jusqu'en 2033. Maintenant, il y a une caravane qui démarque, en gros, son politique de confusion qui a défendu, mais les vrais dossiers, ils sont sous table. Ok, et Noël Nelson, on prend une pause parce que l'émission a commencé jeudi à 6h15. Nous commençons en retard parce que nous avons des petits problèmes techniques côté que, et pour nous, t'es à live, pour l'émission, t'es à live jeudi. C'est le premier live et émission pour tout le monde. Actuellement, nous sommes en studio Radio Tambour, nous live et nous mandons. Merci, la live l'a fait avec moi. L'a fait avec vous. Ouais, affaire politique, pas qu'un jouet là, Dani. Et nous mandons et tout. Et auditoire là tap suivre émission pour partager live là parce que n'a fini émission là 15 20 minutes encore parce que gen pile causé pour nous parler m'pa vle faire mes émission là parce que supposé une heure de temps mais n'a continuer li et n'a prend petit pause et puis n'a tourner tout à l'heure.
Et oui, chers amis, auditeurs, auditrices de RadioTambou.com, nous tournons encore l'émission, mais nous avons une petite publicité pour Elite Association. T'a présenté le 18 mai à 7h PM, mon tropical soirée, Troubadour Party, dans MCC Event Hall, 1711 Athens Highway, Unit 300, Grayson, Georgia, 30017. Admission, c'est $50. Manger inclut la Dani, performance c'est DJ Massive, comédienne Lady Q, spécial invité Hermit Charles, ou même qui l'en Gwinnett County, ou abjouen Tikeo, dans la Citadelle Bakery, la Différence Restaurant, et puis sous eventbrite.com. Pour plus d'informations, ou carré les Sandy, le numéro 678-267-48-56. 678-267-48-56. Et n'a profité tout pour nous remercier DJ Easy qui bat nous gros coup de main avec live ça aujourd'hui. Hein, parce que s'il pat là, j'ai l'impression que je ne pas faire rien. Encore une fois, merci DJ Easy. Bon bagay. Gervais Tax Services qui est dans 3411 Hostel Road, Southwest, Marietta, Georgia. Pas seulement l'ouvri porte pour saison taxe là. L'île a pour toute année pour capable bien gérer taxe ou. L'oré les 678-749-8618. C'est tout cas c'est rendez-vous pour fil taxe ou année ça. Notaire public, fax accounting services, là pour vous à tout l'autre service financier que vous avez besoin. Gervais Tax Services. Pareil pour fil taxe individuel ou soit business à la lumière des principes établis par IRS. Sous place, notaire public vous paraît pour notarier tout document qu'on a besoin et sans gratter tête. Accounting services disponibles pour business ou capable bien gérer. Gervais Tax Services. Attends l'appel ou dans 678-749-8618. Gervais Tax Services. Paré pour recevoir dans 3411 Hostel Road Southwest dans Marietta, Georgia. Et Gervais Tax Services ou capable visiter online dans gervaistaxservices.com. Lors visiter online ou capable bien joindre, bien contrer à tout service que l'office offrit à la clientèle. Gervais Tax Services. 6 ans d'expérience professionnelle. Prix abordable, courtoisie pour chaque client. Oui, nous tournons là, en fait, nous dit deux parties émission à bien. Nous tournons là, troisième partie, et puis après pour nous finir l'émission. Et Jean-Moi Bagay là est là, en pile question à voyer monter sur Facebook et puis et gagner l'autre question t'a venu sur WhatsApp et si m'a prend toute question ça on gagne pression n'a fini émission jusqu'à 10h du soir nous pas fini et n'a fini émission en 15 20 minutes encore et nous mandé auditoire là parce que tellement bagay important t'a parler m'pa konn si Edens ou toujours là. Hello. Et bon, il y a les Edens aller, mais n'a prend et en question de en auditrice et bon moi question hein, et qui Jean nous poil ça c'est bébé Nathan qui posait question ça sur Facebook. Il dit qui Jean ou poil combattre tendez oui avec nèg parlement ça yo. Mais ça passe. Et pays arrivé dans phase actuellement. Il n'est pas en phase individuelle. Il n'est pas en phase d'un coup, c'est Nelson Noël 2022, Nelson Noël tout seul qui va le faire un changement. PIA est en phase, même message là. C'est pour toute diaspora à lever campé. C'est pour tout pays à lever campé. C'est comme ça qui amène un changement dans la société. C'est le peuple là qui lever campé dans le mouvement et puis qu'on projet présenté. Il y a un problème que nous avons dans le pays actuellement là, c'est que opposition elle est faible. Nous avons opposition à un projet. Ça veut dire que nous avons besoin d'une force de rassemblement qui va faire un changement, qui va dire mes parlements que nous voulons, qui va dire mes pays que nous voulons. Nelson tout seul pas qu'à faire. Moi-même, moi, c'est un candidat, nous sommes jeunes qui sont disponibles pour me dire nous en tant que petit pays, hein, que moi-même, moi, disponible pour me porter opinion, non, pour me porter revendication, non, pour me porter une vraie vision que nous voulons pour le pays. Hein. Mais il faut nous lever campé. Nous comprenons, nous poser des questions. Qui ça me va le faire? Mais c'est pour nous poser des questions. Comment on a fait ensemble? Pas qu'à avoir un candidat son peuple. Pas qu'on leader son peuple. Ça veut dire que moi-même, moi disponible. Moi, j'ai volonté. Je pense que j'ai une capacité.
Et je pense que c'est une persistance. Mais il faut que la nation haïtienne se lève. Il faut que la jeunesse se lève. Il faut que la diaspora se lève. Il faut que toute cette élite intellectuelle yo, campe ensemble. Moi-même, moi, étant même aujourd'hui, pour me faire appel, pour me dire qu'il y a un mouvement qui existait, qui nous est Haïti 2054. Invitez-moi dans zone 1, pendant quoi protéger maintenant. Invitez-moi au Canada, invitez-moi New York, invitez-moi dans l'État, quoi attendez maintenant. Mettez en place une rencontre. Et puis invitez-nous à venir, à venir balancer ma veille. C'est à travers ça, question ça va le répondre, ça n'a pas parlement ça. C'est rassemblement que vous faites, c'est cohésion que vous faites. C'est chaque Haïtien qui s'y posait indigné de façon que le peuple a vivre, de façon que vous avez vivre. Parce que tout ce qui passe dans le pays, il y a touché. Je pense que des mouns, tension, qui fait si un paquet de maladies qui a frappé Haïtien par rapport à tout ce qui a passé. Ça veut dire que ce qui a passé dans la communauté, dans la société, dans le peuple, dans la nation, pas un Haïtien n'a pas touché. Pas un Haïtien conséquent n'a pas touché. Ça veut dire que ce groupe qui a été payé en otage là, il n'est pas assez fort que ça. C'est nous-mêmes, en tant que peuple, qui pour camper et qui pour dire, mais qui Haïti, nous voulons qu'on soit ensemble. Au niveau du Parlement, pour nous-mêmes, nous sommes capables de transformer ça, eh bien, il faut nous soutenir nos candidats. Mal bonne question, vous avez dit comme ça, côté COB, 1000 milliards à sortir. Comment me répondre, monsieur Wessler? Moi, je dis, COB l'a sorti dans la poche, nous. 1000 milliards là, pour reconstruire le pays, il y a la sorti dans la poche, nous. Parce que c'était contribuer, nous contribuer ensemble, nous payons l'indépendance, nous 21 milliards. Et bien, quand il y a la invite nous dans un nouveau projet de 1000 milliards d'euros pour aller bâtir le pays, nous, à travers un nouveau mouvement qui est Haïti 2054. C'est ça. C'est dans la poche nous pour la sortie. Il n'y a pas qu'à sortir dans la Chine, dans l'autre nation. Diaspora, c'est 30% PIB pays. C'est 3,5 milliards d'euros par année. C'est plus de 5 millions d'euros ou de dollars par jour que nous avons dans le pays. Sans compter COB qui a passé de main en main avec l'Haïti. Si nous mettons ensemble, imaginons-nous plus de 3 millions Haïtiens à l'étranger. Ou à penser chaque Haïtien capable de payer un dollar, ça fait combien de millions par an? Seulement un dollar, oui. Et mais si, imaginons que nous avons un million de monde qui bam 100 dollars pour me faire campagne. Moi, je ne vais pas le prêter COB dans mes bourgeoisies. Parce que si nous avons besoin de changement fait, il ne faut pas quitter candidat. Et pour te le bal pour te cob dans mes boulos, c'est le bal pour un et pour un yan à mes bidio, le bal pour un point dans mes bourgeoisie. Mais si c'est nèg ça qui finance les campagnes, c'est normal, bel contrat, yo gain. Mais si nous camper dans un candidat avec 5 dollars, avec 20 dollars, avec 100 dollars, avec 1000 euros, avec 1000 dollars, eh bien, laisse à nous voir un monde dans l'élection, laisse à nous qu'à parler de M. JV pour nous dire, regardez, nous te voyons dans l'élection, et ça nous devons le faire. Mais nous quittons l'autre monde qui voit Jovenel et puis tout le monde connaît à voir Jovenel aller. Et mais nous quittons l'autre monde qui voit Jovenel. Ok. Et moi, je pense que leadership, ce n'est pas un bagage qu'on est arrivé de même matin pour dire son leader. Okay? Exactement. Et il y a un bagage que je suis là ou là, ou jeune, et j'ai l'impression que les épaules sont très carrées parce que ou jeune. Et zo yo comprend yo ferme toujours. Merci beaucoup. Et you know moi gagne un monde sur Facebook qui dit c'est faut que nous parler de ça, haïtien pas vle entendre yo. Yo pas jamais vle perdre élection et pourtant yo pas jamais gagne un bon parti politique cap former peuple là. Et une raison que moi prend question ça pour vous c'est parce que vous saute parler de question et monde et faut que moun et a aidé un candidat monter et pour c'est nous-mêmes qui mettait ti cob derrière candidat pour candidat dans l'élection au lieu que l'allemand et ça fait et au Ghana là c'est comme ça ça saute fait là moi l'empathie ça ou vraiment excité et pas excité comme si ou envie faire vous comprenez ou excité moi sont li marcher ensemble et me pensais que l'important et pour nous venir avec des questions comme ça ou comprendre le on candidat pour aller qui est ou gain d'ailleurs t'a financé ou même vision pas en tant que candidat et pour aller dans l'élection en Haïti et financement a sorti qui côté premièrement nous sommes visionnaires OK moi créer un mouvement qui est Haïti 2054 officiellement quoi dans question juridique
m créé ça et objectif c'est 1000 milliards. Ça veut dire que moi défendre à naissance pays. Lorsque me fait la France bon mon signature officielle côté que en dans texte objectif moi qui ce journal soit dans six gouvernements français européen ou européen IT 54 objectif 1000 milliards d'euros, les clés noires sur blanc. Je vais pas mettre en pas cachette. Son dossier m'a pas la voix qui officiel qui est reconnu par le gouvernement français. Actuellement, on a corporé en Haïti. Deuxième bagage, je fais, je crée une entreprise. Son entreprise qui a une valeur de capital social, 50 millions d'euros. Pour qui ça? Parce que je voulais réunir tout entrepreneur pour nous chiter ensemble, pour nous penser de l'économie solidaire de demain d'Haïti. Haïti, c'est un pays qui construit sur la solidarité économique. Ce n'est pas Américain qui a inventé l'économie solidaire, ESS, en 1983, c'est Haïti qui a inventé. Et nous venons avec l'économie solidaire. Nous pouvons que nous payer l'indépendance, nous, malgré qu'elle était divisée entre nous, mais nous continuons à payer la liberté. C'est un second bagage qui fait Haïtien fier qu'il n'a pas négocié ses libertés. Et ça, c'est un grand bravo pour le pays. Nous. Maintenant, ça, c'est des perspectives. On n'a pas de clair, c'est pour le pays que je défends. Moi, j'ai des investisseurs déjà qui proposaient même un projet à 26 millions pour le pays. Qui m'a gagné comme campagne la donne. Combien comme 26 millions d'euros. OK. Quand il comme campagne la donne capable de tout sembler la donne, même refuser. Là m'a parlé de l'aspect entrepreneuriat, ça veut dire que pour qui ça refuser. Numéro 1, il y a n'importe 14 millions d'euros qui va aller dans les frais généraux et les ouvriers, puis ont 3.5 millions pas clair. Dit m'a la donne. Mm-hmm. Et si m'a le gouvernement pays depuis qu'on y a là, m'a pris 3 pour 5 millions passés. Demain, si m'a pris 1 milliard passé tout. Pour okay. Être intransigeant avec ça, je refuse catégoriquement. Qui ça me l'a dit par là? Moi, pas un monde que l'argent fait danser. Mm-hmm. Parce que depuis un petit monde, mon caractère. Mon caractère, mon personnalité, ça, l'argent, pas fait Nelson Noël danser. Pouvoir tout. Pas fait Nelson Noël danser. Ça, moi-même, m'a cherché intérêt pays. Je me défendais dans la coopération, quand c'est des propositions faites, je me refusais. Je vais l'expliquer. Je vais aller dans le fond des choses avant. L'Emtana est dans la coopération, je vais une équipe technicienne qui me mettre en place. Je vais créer une technostructure au niveau national pour me faire travailler, commander, me faire, pour m'aider à mairie avec le projet. Et bien, je me refusais la proposition que je fais dans le ministère de planification. Mais toute la majorité n'a pas quitté. Je dis, oh, ils font une proposition comme ça, on ne va pas prendre. Ou même ton visionnaire me dit, si on me fait un projet comme ça rentrer, pour le passer dans la corruption, de monsieur, c'est le nom de la cité. Et bien, je dis à même Mounsaïo, après l'aide dans le téléphone, je dis, on attend. Ça veut dire que pour venir, pour somme de caractère, ce n'est pas l'argent qui gouverne. Parce que je dis qu'il a fait quelques accords là en bas, et puis milliards ont passé. Même si on n'a pas qu'à faire. Je ne suis pas d'accord. Et bien, je dis à même qui positionne. Moi, je demande des peuples haïtiens, nous ne sommes pas capables. Font changement sans qu'ils ne pas investir dans le monde. Mm-hmm. Font choisir un candidat. Nous dit, on organise dans tout état, dans la diaspora, aider les gens qui n'ont pas marché. Je vais à Haïti bientôt, au mois de juin. Je suis je ne vais pas à Haïti. Je vais des conférences à Haïti. Mais, fait ça, il grand goût. Mais moi-même, je vais en bas. Si je ne vais pas à l'homme, je ne vais pas à l'homme, je ne vais pas à l'homme, je ne vais pas à l'homme. Ou alors, je vais prendre un billet mal dans le pays, et là, je ne vais pas me mettre, parce que moi-même, pays. Le mal aux États-Unis, ce n'est pas moun qui paye, c'est moi-même, à travers conférence que je fais. Je fais en façon de m'aller pour m'aller des pays. Mais c'est même gens, tout chaque haïtien de fond effort. Moi-même, là, je parle aujourd'hui, là, je ne parle pas de vous remonter, je ne parle pas de pause et à bas peuple à mentir. C'est dans ma poche nous, pour l'élection en sortie. C'est ça qui fait, soudainement, de me font appel, c'est que ça l'a pire. J'ai besoin de 1 million d'haïtiens qui pour soutenir ma 100 dollars. 1 million, même un petit monde qui a bam 100 dollars. Ou bien, 1 million de personnes, 100 dollars, m'a gagné 1000 millions. Ou bien, ça m'a fait favel, m'a retiré. D'abord, pour une élection faite, ce n'est pas le nombre d'habitants. En Haïti, il y a 11 millions d'habitants, 12 millions d'habitants. 12-13 millions d'euros ou de dollars suffit pour faire une élection. Et puis, nous gagnons 3 millions de personnes dans la diaspora. En quelque sorte, 18 à 20 millions suffit pour faire une bonne élection au niveau international. Et bien, ça m'a fait favel. Nous avons gagné un terrain, nous avons une association paysanne entre 50 à 100 hectares de terrain disponibles pour nous faire un campus
universitaire autonome. Et puis à côté de ça, nous avons un projet agro-élevage alimentaire commercial. Côté que jeune, pendant qu'elle a formé tête li, la travaille en alternance. Ça, c'est vision dans la campagne. La campagne, moi, je veux une campagne qui est utile. Et bon, campagne gagote, côté que moun, bon, c'est des gens qui viennent dans le mouvement, m tout dit, on me dit, comme là, on a pas fait la sortie. Je bon menti, et puis tout le monde est en clan avec moun. Je suis clan dans le coup. Et oh, parce que me soutenir, non, si on n'a pas une capacité, si on n'a pas une compétence, nous n'avons pas faire rien. Chaque monde est placé. C'est ça que vous monde l'a posé qui ça me va le faire pour la loi appliquée. Mais c'est juste ça que m'Abdoula on pas que bagarre refuser pour payer déjà. Si tu as cas de tête moi m'ta prend yo même refuser yo pour qui ça parce que m'ta même pour ton projet qui a avantage peuple là qui a avantage nation. Et monsieur Nelson Noël candidat à la présidence 2022 pour Haïti. Et son plaisir pour moi et avec et pour tout auditoire là et tap tando là tap gado sur Facebook y a gado langer et gade langer menti kaba et ou jeune m'a dit encore ou jeune et jeunesse là besoin ça yo besoin et nouveau visage kap paraît et mais qui pou vinn convaincre yo et est-ce que vous pensez que travail ou fait commencer? Parce que pour moi-même, alors ça c'est personnel. Et, oui, et ça fait horizon 2054. Travail ou fait commencer. Et j'ai l'impression que jeunesse a perdu confiance dans le leader. Et ils ont perdu confiance. Et ou même qui soit poté pour faire jeunesse ça? Et tout le monde, tout Haïtien reprend confiance dans la question leadership pour Haïti. En tant qu'un leader, un jeune leader. Bagaille, comme moi, c'est un conférencier dans le leadership, premier bagaille qu'on a son besoin. M'a tout dit ces dernières questions, après n'a fini l'émission. Pas de problème, m'a tout répondu. Premier bagaille, son message. Mm-hmm. Un vrai leader a un message. Mm-hmm. Parce que y a un message de confiance. Mm-hmm. Un message de rassemblement. Un message qui fait moun nan senti qu'il est important. Mm-hmm. Ça, c'est le premier bagaille. Un leader, un message. Deuxième bagaille, un leader, une vision. Moi, je dis jeunesse haïtienne, moi, je comprends. Comment ça fait, je comprends? Parce que je comprends ça, ça veut dire à l'école, Catherine Flan, mettre sel dans le poche pour manger. Mm-hmm. Les gens création, je prends sel avec de l'eau parce que je n'ai pas de manger. Et je des jeunes étudiants, des jeunes condisciples qui connaissent l'histoire ça. Mm-hmm. Qui a demandé des caractères. Mm-hmm. Moi, quand j'avais dit tout, fait trois jours sans manger. Quand ça avait dit tout, je suis allé à l'école, je m'a prêté uniforme. Ok? Je m'a prêté un ami, pas maintenant, qui changeait uniforme, qu'on a ses pantalons par là, pour m'en faire premier trimestre. Là. Parce que je n'ai pas de uniforme premier trimestre, c'est deuxième trimestre, uniforme m'a paré. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est des réalités que je connais mm-hmm. dans le pays. Malgré me voyager, je ne vais pas ménager comme. Quand ça me fait pendant mon enfance, je vais aller des quartiers défavorisés. Sous la page Facebook, je vais pouvoir conseiller des jeunes, très jeunes, très innocents, et je vais pouvoir conseiller des travaux que je fais au niveau européen. Ça veut dire que le leadership que je porte pour la jeunesse, là, qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les 10 départements d'Haïti, je vais avoir un jeune quand même qui m'a transformé. Mm-hmm. Avec grâce, mon Dieu. Je vais avoir un jeune quand même qui a témoigné dans la zone nord. Dans le département du centre, partout dans le pays, à Kabdou, mais on impact que Nelson te fait dans la ville. Ça veut dire que je dis, hein, qui est capable de dire pour me conclure? Jeunesse haïtienne, 65% des jeunes haïtiens, qu'ils étaient à l'étranger, qu'ils étaient en Haïti, tout le peuple haïtien. Moi, comprends-nous? Mais la façon dont je comprends-nous, reste vie que je suis pour me vivre là, je suis dédié à nous-mêmes. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pour connaître que. Moi, je suis haïtien qui vit en Haïti, qui travaille en faveur du pays, qui voyage à l'étranger, qui a une expérience internationale, et qui toujours au service du pays, et qui connaît à qui tourner la caille pour les pays. Qui connaît à c'est nous-mêmes qui connaît, qui s'en a fait avec. Même j'ai moi-même tout besoin de nous. Nous avons besoin, moi-même, moi besoin de tout. Parce que sans nous-mêmes, je ne vais pas faire. Mais si nous sommes ensemble avec moi, nous invitons, j'en vais faire là, pour nous dialoguer ensemble. Bon, c'est que nous sommes capables d'incarner ensemble un changement. Et nous sommes capables de dire, n'est-ce pas, pas découragé,
gain espoir pour vous, gain espoir pour Haïti. Monsieur Noël Nelson, et ou t'es envie rivé côté me voulez rivé hein, même pas qu'on rivé là, nous rivé là moment la émission, moment qui pi triste la émission, mais moment qui pi belle là tout. Moment ça, c'est moment côté que n'a pour remercier auditoire là, n'a pour remercier tout le monde qui était live dans Facebook, qui t'a suivi émission et qui content prestation aujourd'hui hein, gain pas fin satisfait parce que gain des questions que yo poser, nous pas gain temps à répondre toutes questions. Émission commence à 6h15 mais il est presque pour aller 8h, il a continué toujours mais nous pas arrêter émission là. Mais avant nous finir émission, nous toujours gon bagaille nous-mêmes, nous poter et nous mando monsieur Noël Nelson, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est déjà merci et docteur Wessner pour l'invitation avec toute équipe technique qui est ensemble avec vous. Tu as fait un bon travail dans le leadership. Vous posez une série de questions qui professionnelles et nous apprécions ça. Et moi, encourage pour continuer dans le bel travail qu'on a fait. L'autre remerciement, c'est pour l'auditeur qui pose un peu de questions. Il y a un monde qui dit, lui et Nathalie Pierre, qui dit, qu'est-ce là, il faut qu'on tourne dans l'émission encore. Ça veut dire son signe que le message a passé, il y a une communion. Et national, fraternel au niveau de ce sujet, l'identité nationale et la refondation morale d'Haïti. Mot de la fin, c'est dit, moi là avec nous, m'a fait tout ça me capable dans la jeunesse qui m'a été pour me vivre là. Quand ça me fait, ou quand on voit parabole ça, ou quand 100 moutons, ou moi 99 pour aller grenner, et bien je dis, c'est ça me fait ça même. Haïti, quand on écoute, mon paquet de bagaille. Moi, t'es marié. L'écouter une famille au niveau étranger et Haïti foutait mon paquet de bagages. Ça veut dire que je suis capable de dire que je prends un engagement pour le pays sans réserve. Et c'est un engagement ça que je suis capable de dire que chaque Haïtien tout font un effort pour un engagement parole. Parce que c'est nous tous qui pouvons engager nous pour nous indigner ensemble et pour nous reconstruire le pays ensemble. C'est ça que je suis capable de dire. Merci et oui, chers amis auditeurs, auditrices de RadioTambou.com, nous se suivent. Émission pour tout le monde présentée par Dr. Wessler de Vezin. Invitez-nous, c'était M. Noël Nelson, candidat à la présidence pour Haïti 2022. N'a remercié de tout cœur pour participation à l'émission. Et nous-mêmes, auditoires là, tout le monde qui est live dans Facebook, qui t'a écouté l'émission, qui t'a regardé ça que t'a fait là tout, nous disons merci et merci, merci. Et nous pensons que chaque dimanche, nous portons l'émission ça pour vous avec on. Et invités différents pour un sujet différent. Parce que nous pas jamais paraître à même sujet hein, l'un ou l'autre dimanche. C'est comme ça nous fait émission ça. Et ma première, c'est tout participant, toute question qui t'est posée. Et moi, dis-nous que c'est pas faute, moi, si je pas toute question que nous posons, nous pas qu'à répondre toute question. Et me penser que nous avons besoin de candidat encore pour le venir dans l'émission, on l'autre le. Et m'a dit nous dimanche prochain, 12 mai, nous avons gagné M. Lapomerade et Chavan, président de l'organisation Chilfos, directement de la République dominicaine. Sujet, la bon bel sujet, immigrant pas en charge. Monsieur son immigrant lié en République dominicaine. Monsieur dit que d'accord. Immigrant pas en charge. Je suis en République dominicaine au mois de juin, tout un rassemblement l'autre bois. Nous t'as souhaité rencontrer avec elle parce que son bon leader lié l'autre bois en tout. Encore une fois, chers amis, merci beaucoup. M'a dit Didier Easy, mon cher chapeau bas. Et m'a remercié tout staff Radio Tambouan et m'a remercié tout Haïti tout que nous t'es connecté avec elle. M'a remercié Eden Zeba, journaliste de renom qui t'a participé pour belle question ça yo. Oui, merci, c'est comme ça pour sa fête et nous pas qu'à faire travail là pour compte nous. Moi-même le m'a quitté émission bon mot remédi vous comprendre mot ça c'est mot que nous connaît que j'aimerais mes façon que nous camper avec auditoire là avec émission ça pour nous faire salier jodi hein. Encore une fois chers amis auditeurs auditrices de radiotambou.com m'a quitté et je vous dis encore une fois je vous aime à dimanche prochain bye merci beaucoup. Sous besoin bon nouvelle, ça qui passe dans la ria. Information, formation avec distraction. Son seul côté pour moi, c'est la toute la. C'est la www. La photo sous site.
Thank you.